Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, je vous parle en fa-fa. Vous savez, aujourd'hui, je suis vraiment ému et content à la fois. Parce que les gens m'ont longtemps dit, si tu invites cette personne-là, ton émission sera gâtée. Parce que cette personne-là, vraiment, c'est quelqu'un d'insupportable. Cette personne va chercher à te détruire. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis avec... Je ne sais pas comment dire, elle est comédienne, elle est humoriste, elle a beaucoup de cordes à son arc. Donc on va aujourd'hui savoir qui elle est réellement. On va savoir beaucoup de choses sur elle. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'émission Fafa avec Ramzy le dernier, votre homme serviteur. Aujourd'hui, je reçois seulement, elle me reçoit aujourd'hui, c'est la grande, hein, la star, celle qui fait la bise à tout le pays, au monde entier, Ivy Dero. Caméra Badia ici, toi, comme ça. C'est le sourire là, ça fait peur. Tu commences comme ça à sourire. Comment ça va? Ça va bien. Voilà ma main. Sans que je te baise la main. Voilà, parce que on dit Ramzy, tourne nous si il croise les femmes, il fait d'une manière. Comment tu vas? Ça va très bien. Et les affaires, ça va? Eh bien, tout se passe bien par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de passer à l'émission. Voilà, ça fait des mois qu'on se rate. Pour toi aussi, 2 jours tu es à Abidjan, 3 jours tu es à Paris, 2 jours tu es à Abidjan, bon, on ne comprend rien. Donc on dit, allô, on demande à se voir, on dit non, ah, elle a voyagé avant-hier. Bon, tout ça c'est compliqué, tout ça on va détailler tout ça là aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai réussi à mettre la main sur toi, donc le FAFA va se passer. Voilà, voilà. Alors mesdames et messieurs, nous sommes avec Ivy Dero. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est une talentueuse femme qui fait tout ce qui est... Elle fait dans l'humour, elle fait dans les sketchs. En tout cas, vous saurez de qui il s'agit. Voilà. Alors, moi, je rentre direct dans le vif du sujet. C'est qui Ivy Dero? Elle sort d'où? Elle vient d'où? On veut savoir. Eh bien, Ivy Dero, à l'état civil, déjà, c'est Niaba Beke Ivan Orian. Voilà, donc, je suis actrice humoriste, comédienne, productrice de séries web et de séries télé. Voilà. Et PDG de Waraba Group. Vraiment, choc autour, ça me fatigue. Hein. Et pourtant, je fais le maximum pour ne pas choquer. Ah, non, dans tes vidéos, là, tu ne choques pas. Hein. Oui, je prends l'accent du pays. Uh-huh. D'accord, d'accord. Alors, dis-moi, cette passion pour l'écran. Eh bien, à la base, moi-même, je suis quelqu'un qui aime jouer la comédie. Quand je suis avec mes amis, je joue toujours la comédie et tout. Et c'est un truc qui est parti comme ça. Hein. J'étais en train de faire un délire avec une amie, elle m'a filmé, elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Et en 2016, 2017, je crois. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, il n'y a pas si longtemps que tu es dans le... Non. Vraisemblablement, depuis 2017... C'est là que vraiment Ivy Dero s'est vraiment fait connaître à la télé, aussi sur le web. En fait. D'accord, d'accord. Alors, toi qui n'es pas constamment ici en Côte d'Ivoire, tu es aussi en Europe et tout, est-ce que tu as un auditoire là-bas? Oui, effectivement, là-bas, je suis suivie également. Mes premières scènes à Paris, c'était à l'Apollo Théâtre, où je faisais les premières parties d'une talentueuse humoriste du nom de Samia Rosman, à qui je fais un coucou, qui vit à Paris. Voilà, donc j'ai commencé là-bas en 2018, début 2018, et puis ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle là-bas, c'est-à-dire que je suis à plein temps comédienne et tout. Je suis reconnue là-bas en tant que comédienne, voilà, donc j'ai le statut de comédien en France. Il m'arrive de poser des voix sur des films, comme le dernier film de Thomas Ndjidjol, Black Snake, où j'ai posé plusieurs voix. J'ai fait plusieurs voix. Voilà, il m'arrive de passer dans des petites séries ou bien dans des chroniques. Par exemple, j'ai fait une chronique qui est passée sur France O. Voilà, donc oui. Pas la gombo, hein. C'est bon. D'accord, mais tu nous as pas bien parlé. Parce que tu as dit non, 2017, tu as commencé. Nous, on veut savoir Ivy Dero là. Voilà, tu es né ici, tu es allé là-bas, mais tu es né là-bas, tu es venu ici. Bon, comment? On veut savoir, il y a trop de choses qu'on veut savoir. Ivy Dero est né en Côte d'Ivoire, à la polyclinique Sainte-Anne-Marie. C'est la PISAM, à Cocody. Ah, nous, on est né à la chose. À, nous, on connaît pas. Sinon, Ivy Dero est né à Abidjan, voilà.
Et puis, quand je suis née, je suis partie en Italie. J'étais en Italie avec ma mère et mon père. Très jeune, en fait. Très bébé, même. Bébé. D'accord. Je suis revenue, je sais pas, à 3 ans ou 4 ans, je sais plus, pour faire le primaire ici. Donc, j'ai fait la petite section, la grande section ici, jusqu'au BTS en communication d'entreprise. Et puis après, je me suis lancée dans des activités. Et puis, bon, j'ai décidé d'aller en Europe. C'est comme ça que je suis allé en Europe en 2014, en mars 2014. D'accord, d'accord. Ok. Mais voilà, nous on a appris que tu as un lien de parenté avec Personne âme DJ Arafat. Il paraît que vous êtes cousin ou bien je sais pas, un truc du genre. Bon, je peux pas dire que DJ Arafat pèse sur son âme. Je peux pas dire que DJ Arafat et moi nous sommes cousins. Nous n'étions pas cousins, mais nos familles se connaissent. La mère de DJ Arafat est l'amie d'enfance de mes tantes, des petites sœurs à ma mère. Donc, il y a eu un moment même où, quand elles étaient jeunes, elles venaient à la maison, elles dormaient même à la maison chez ma grand-mère. Donc, Arafat, même étant bébé, a passé des moments chez nous, en famille, chez ma grand-mère. Donc, la maman d'Arafat, c'est comme ma maman aussi. Voilà, je lui passe le bonjour. Mais c'est pas quelque chose que j'ai affiché sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas trop me glorifier. Tu es sûr que tu n'aimes pas te glorifier? Mais ça va me donner quoi? Je vais venir dire que oui, je suis la cousine d'Arafat ou bien mes parents connaissent Arafat, la maman d'Arafat. C'est quel trophée j'ai cherché. D'accord, d'accord. Alors, moi, je veux savoir une chose. D'où te sort cette inspiration? Parce que tu as une manière particulière de faire des sketchs dans tes vidéos et tout. Ton inspiration, là, ça vient d'où? Eh bien, mon inspiration, à part la bénédiction de Dieu sur ma vie, je peux dire que je m'inspire de tout ce qui nous entoure, des faits quotidiens. Ça dit, toi et moi, on peut être en train de parler comme ça, et puis j'ai une idée, je te dis, Ramzi, il faut qu'on fasse cette vidéo. Donc la plupart du temps, si vous voyez dans mes vidéos, c'est pas des comédiens qu'on connaît. Ce sont mes amis, des gens qui sont avec moi, que je tire dans mes bêtises là. Voilà, donc c'est un peu ça. Ah, d'accord, d'accord. Mais tu t'inspires aussi de... Parce qu'il y a certains qui disent que souvent, il y a des choses que toi-même tu vis, que tu relates dans tes... Oui, oui, effectivement. La plupart du temps, je ne dirais pas toutes les vidéos, mais souvent... Ouais, vas-y, il faut servir, champion. Merci, c'est gentil. C'est vite d'héros, hein. Ah, mon cher, ça, c'est pas les petits cocktails. C'est pas petit ou le là, ils vont venir dire encore qu'elle est gonflée. Ah, il faut boire cocktail pendant que l'animateur, même, on ne sait même pas c'est quoi qui est jaune dans son verre. Vraiment, c'est compliqué. Donc, je dis que... mon inspiration, c'est des faits de tous les jours. Il y a des fois même, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, que je mets en scène pour essayer de décrire les maux de société, puis essayer d'alerter un peu, passer des petits conseils, tirer une petite morale. Il y a toujours une petite morale dans mes vidéos. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Yves Diro, Plage Musicale, et on revient. La famille Fafa, ouais, nous sommes de retour. Vous savez, la Plage Musicale, c'est elle qui a choisi, hein. C'est pas moi qui ai choisi, donc voilà, ça roule. Alors, moi je veux parler maintenant de ce que tu représentes ici en Côte d'Ivoire. Yves Diro a commencé ses sketchs, gags et tout, sur internet et tout ça. Comment ta personne et ta notoriété a été perçue par ces humoristes, même ces comédiens qui sont déjà implantés sur la scène ivoirienne? Bon, je peux dire que je pense qu'ils sont fiers. En tout cas, c'est ce que je pense. J'ai de très bons rapports avec Ramatoulaye, Aga Lawal, que je connaissais avant de me lancer. En cas de cas, c'est des rapports fraternels, Gohou, Dibé Cravate, ce sont des personnes, des vieux pères, qui m'aiment bien, qui m'apprécient, qui m'encouragent, qui sont fiers. Bon, je pense, hein, je trouve. Bon, Zoumana, je l'ai connu. Je n'étais même pas encore une vidéo. Je n'étais pas encore pas. Mais il y a longtemps, je ne sais même pas s'il se souvient de moi. Voilà. Mais ce n'est pas des personnes avec qui j'ai eu des contacts physiques que j'ai pu rencontrer. La personne que j'ai pu rencontrer, c'est Gou. Bon, je peux dire, des plus anciens. Et puis, bon, je sais, pour le moment, clé-clé. Voilà, des personnes comme ça. D'accord, d'accord. Parce que, voilà, à un moment, il y a eu un souci avec... ce que nous, on a appris, hein, qu'il y a eu un souci avec Adrienne Coutouin. La maman Adrienne Coutouin, qu'on salue au passage. Voilà, il y a eu un souci avec elle, un clash d'une manière qui a été repris partout. C'était quoi le truc, en fait? En fait, c'est un malentendu. C'est un gros malentendu. Et puis, bon, comme les journaux et que les réseaux sociaux se nourrissent de
de buzz, de clash et de rumeurs, et qu'on ne peut pas combattre la rumeur, j'ai préféré laisser couler. Sinon, elle et moi, on s'est eu au téléphone. Bon, il n'y a pas de problème, quoi, je dis. Mais c'était quoi le truc, en fait? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était quoi? On dit, vite, on lui a parlé mal ou bien, c'est pas, il y a un truc comme non, ça? Non, moi, je n'ai jamais parlé mal à Adrienne. Jamais. Si vous voulez, vous pouvez la recevoir ici. Je ne lui ai jamais parlé mal. Jamais. D'accord. On s'est eu au téléphone. Je suis arrivée à Abidjan. J'ai cherché son contact parce que je voulais rentrer en contact avec elle. Puisque c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est tout. Je l'ai appelée. Bon, elle n'était pas disposée à me recevoir parce que je crois qu'elle était occupée. Tout ça. C'est tout. C'est fini. Maintenant, les gens ont extrapolé pour dire trucs. Nanana. Sinon, moi, je vais lui parler mal. C'est ma camarade. C'est pas ma camarade. Adrienne Koutouan, c'est une icône de la comédie en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je dis, quand tu débutes dans un truc ou bien que tu commences, faut respecter les anciens, les aînés, tout ça. Je dis donc, puis c'est pas dans mon éducation même, non. Voilà. D'accord, mais vraiment, pour parler de tout ça, Yves Dero a une réputation vraiment, tu n'as pas bonne presse en fait. Si, si. Voilà, tout le monde dit que voilà, elle est impolie, elle est gonflée. Pourquoi elle est gonflée? Elle parle mal à tout le monde, elle est arrogante, même si sa page, dès que quelqu'un fait un commentaire désobligeant, elle sent que ça l'a piqué, elle vient répondre à la personne. Bon, pourquoi tu as un caractère aussi... En fait, tu es artiste. Je pense que tu es artiste, tu es bien placé pour me comprendre. Moi, j'ai une personnalité qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. La plupart du temps, les gens montrent un autre visage de ce qu'ils sont réellement sur les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un dans la vie réelle. Tu marches sur mon pied, je marche sur ta tête. Oui, 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 oui. Ça, c'est une vidéo, ça. Voilà. Tu marches sur mon pied, je marche sur ta tête. Mais avec du recul... C'est vrai qu'au départ, quand les gens me clashaient, je répondais du tic au tac, mais avec du recul, et puis avec des conseils d'un grand frère à moi qui s'appelle Asalfo, j'ai pris du recul, j'ai dit oui. En fait, il a raison. Plus tu réponds, plus tu alimentes. Bien sûr, tu attises un peu les... Tu alimentes le buzz, ça sert à rien. Donc j'ai pris la résolution de plus répondre. Ça me dit plus rien. Avant, ça me blessait, parce que souvent des gens disent des choses infondées, des rumeurs, des mensonges, à être violent dans les propos, des injures. Vraiment, j'étais pas encore forte pour ça. Maintenant, je suis aguerrie. Quand tu dis là, ça glisse sur moi comme gombo. Tu vois un peu, non? Voilà. D'accord, d'accord, mais Yves Dero, moi, je te comprends pas. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu es quand même connu, tu vois, tu es quand même connu et tout. Il y a des grands spectacles ici à Abidjan, par exemple. Il y a un spectacle chaque année, voilà, que notre chaîne nationale organise et tout. Mmh. On t'a jamais vu dedans. Je comprends pas. Yves Dero. C'est quel spectacle ça? Bonjour par exemple. C'est de Bonjour que je veux parler. Okay. Parce que moi j'ai appris dans les... Tu sais que le derrière il apprend tous les jours. Si, moi si. J'ai appris dans les coulisses qu'on a... ils ont appelé Yves Dero de venir faire bonjour. Yves Dero dit mais votre bonjour, mais vous faites la même là. Vous donnez combien aux gens pour venir faire bonjour. Et puis en plus de ça, ça n'apporte rien même. Tout ça. Pour moi, il ne sait pas pourquoi tu n'es pas dans bonjour. Est-ce que l'information que j'ai reçue là, c'est vrai ou bien c'est faux? Eh bien, bonjour 2020. Déjà bonjour 2019. Ils m'ont contacté. C'était déjà passé. Et après, ils voulaient que je fasse bonjour 2020 dans les villes. D'accord. Et je rentrais sur Paris. C'est Joseph Andjou qui organise bonjour. D'accord. Joseph Andjou, c'est un grand ami à moi, un grand frère à qui je passe le bonjour. Mm-hmm. Il est même passé à l'émission. Prof. Voilà. Qui m'a contacté pour bonjour 2020. Mais il s'avérait que la date où je devais passer, moi, j'organisais un événement, je crois, soit dans mon village, ou bien j'organisais un événement pour la pose de la première pierre des salles de classe à Ogoudou, à la sous-préfecture de Divo. Donc, j'étais même pas à Abidjan. Il m'a dit, ah, Ivy, tu ne seras pas à Abidjan, mais est-ce que on peut pas, tu ne peux pas être au bonjour des différentes villes? J'ai dit, j'aurais bien voulu, mais il y a la préparation du spectacle en février, on va commencer les répétitions. Donc, je ne serai pas disponible. Mm-hmm. Tu vois, tu peux pas donner ta parole à un grand frère qui te respecte comme ça. Et puis après, tu vas le mettre dans des problèmes. Donc, j'ai préféré ne pas accepter. Mais je le soutiens. D'accord. Je le soutiens dans tout ce qu'il fait parce que c'est la culture ivoirienne qui est mise en avant. Bonjour 2020, là.
chaque année, il y a du monde. Les gens payent pour aller regarder. Mm-hmm. C'est suivi sur le câble. Mm-hmm. Tu vois, donc c'est une fierté. Pourquoi je ne vais pas passer à bonjour? Tout le monde veut passer à bonjour, mais malheureusement, je n'étais pas disponible. Mm-hmm. Mais tu n'étais pas disponible. Moi, vraiment, ta réponse là, je ne suis pas convaincu en fait. Mm-hmm. Je suis pas, parce que quand tu dis que tu n'étais pas disponible, tu sais, toi-même, tu as dit qu'ils t'ont contacté pour Bonjour 2019, tout ça, mm-hmm. tu vois. Donc, Bonjour 2020, tu devais t'attendre à ça. Donc, tu devais améliorer un peu, sinon, comment on appelle ça, gérer ton agenda par rapport à ça. Parce que tu as des fans qui ont besoin de te voir aussi à Bonjour. C'est vrai, mais je te dis que moi, mon agenda, il est bloqué 3 mois à l'avance. C'est comme ça que je travaille, tu comprends? Parce que je ne suis pas... Yves Hidoro, je ne suis pas seule. J'ai une équipe derrière moi, j'ai des personnes qui travaillent. Donc, quand on te programme, je pense que si j'avais été informée plus tôt de la date du tournage, en fonction de ça, nous, on aurait décalé nos dates. Mais j'ai été informée pratiquement à 2 semaines de l'événement. 2 semaines ou 3 semaines de l'événement. Là, on ne peut plus rien dire. Voilà, donc c'était un peu compliqué pour moi. Sinon, je pense que si j'avais été informée un peu plus à l'avance... Mais Evidero, vraiment, toi, tu n'as pas le temps, hein, tu es tout le temps, c'est parce qu'il y a du 4 avions, mais 7 avions, mais tu n'es jamais là. Et puis en plus, pour nous faire bavarder, nous les jaloux, là, pour nous faire bavarder même là, sur les réseaux sociaux, bonjour Abidjan, bonjour Paris, bonjour ci, bonjour ça, tu veux prouver quoi? Nous, on veut savoir. Parce qu'apparemment, tu veux prouver un peu à certains humoristes que bon, vous n'êtes pas la même chose. Parce que c'est ce que moi j'ai appris, hein. On dit qu'Evidero devant les caméras, elle fait genre, truc, mais en réalité là... Elle veut montrer aux autres qu'elle est mieux, en fait. C'est quoi le truc? Vous savez, je dis toujours qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Voilà, si Dieu me fait grâce, je ne peux pas cacher la grâce que Dieu... Voilà, quoi. C'est comme si je banalisais les bénédictions de Dieu sur ma vie. Voilà. Moi, je ne savais pas que je pouvais faire 3 jours à Paris et puis revenir à Abidjan. Je n'ai jamais imaginé ça. Quand je partais en France, là, je ne savais pas que c'était mon destin qui était là. Donc si aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Quand Kim Kardashian s'en va à Djamé, puis elle met bonjour c'est à Djamé. C'est en partie, là. Elle commence ça, là, je veux. Quand Kim Kardashian s'en va, et puis elle met bonjour à Djamé. Et puis le soir, elle met bonjour Tahiti. Et puis le lendemain, elle dit coucou Yopougon. Et puis le soir, elle dit hello San Pedro. Pourquoi? Ça ne choque pas. Et puis c'est pour moi, bonjour Paris, petit Paris. Paris, même que maintenant, est-ce avion trilhomme? Paris, maintenant, tout le monde s'en va à Paris, là. C'est ça qui est quoi? Attendez, quand je vais vous dire, coucou, je suis sur la lune, c'est là que vous allez parler. Paris, tout près ici, on s'en va, on dira à Djamé, là. C'est ça qui fait quoi? Non, arrêtez ça. Donc, ça veut dire que, tu veux nous dire que, parce que, les vidéos, ton affaire, là, c'est pas clair. Comment toi, tu fais? Pas les billets d'avion, c'est cher. Effectivement. Tu fais les va-et-vient, bon, on ne sait pas, c'est quoi. Est-ce que quand je vais, la plupart du temps, quand je viens à Abidjan, tout ça, c'est Waraba Group qui gère. Mes billets d'avion, c'est la société qui prend en charge. Voilà, donc quand je viens, ce n'est pas pour des vacances, c'est pour travailler. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient cela en une façon de montrer que j'ai l'argent. Bien, non, non, non. La dernière fois que je suis allé à Paris, par exemple, j'étais parti normalement pour faire 3 semaines à Paris. Mais dès que je suis arrivé à Paris, on a eu un contrat. Et donc, ils nous ont envoyé un billet. Je devais venir normalement pour 2 jours. Et j'ai demandé à ce qu'on me prolonge, parce que monter dans l'avion, descendre, monter, c'est fatigant. Donc j'ai dit non, prolonger pour 4 jours. Je suis là pour les 4 jours, j'ai un autre contrat. Donc eux, ils me prolongent le billet pour 4 jours supplémentaires. Donc ça me fait pratiquement 1 semaine à Abidjan. Je rentre à Abidjan... Je rentre à Paris, pardon. J'ai un autre contrat. Donc, du coup, c'est ce qui fait que je reviens à chaque fois. Sinon, moi-même, souvent, je veux me reposer un peu. Et bon, d'accord, mais c'est quoi ton secret? Parce qu'il y a des humoristes ici. Je prends un exemple, c'est mes gars, donc il n'y a pas de problème. Ramatoulaye, je ne sais pas moi, Agalawal, tous ces gars-là, même les jeunes filles aussi qui font un peu comme toi, comme Nice, tout ça. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas comment toi... Tes choses sont ficelées, mais c'est comme si tu es beaucoup plus sollicité que les autres. C'est quoi ton secret, en fait? Mais mon secret, c'est la grâce de Dieu d'abord. Hein? Mon nom de baptême, c'est Youminam. Youminam qui veut dire au-delà de la grâce. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer. Voilà, il y a ça. De deux,
il y a le travail et le professionnalisme. Parce que Ividoro, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une équipe en amont. Donc, ce sont des gens qui bossent derrière et qui, à qui je demande des résultats. Donc, c'est un peu ça. C'est le travail, le professionnalisme et puis bon, la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, vous voyez ça, c'est l'affiche du prochain show, prochain spectacle de Ividoro. On va en parler tout à l'heure. Alors, Ividoro, il paraît que tu as failli te suicider à deux reprises. Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre fin à tes jours? Vous savez, je ne sais pas, l'Ivoirien a un problème. Il ne prend pas le temps d'écouter. Ça veut dire, il prend peut-être le titre et puis il développe. C'est un titre long, quoi. Voilà. C'est une histoire que j'ai expliquée. J'étais à la radio et j'ai expliqué une histoire. Comme quoi, quand j'étais petite, ma maman me chicotait tellement que les témoins de Jéhovah, là, ils viennent vous voir avec les prospectus. Et une fois, il y a une dame qui est venue. Ma maman était partie au travail. Elle est venue avec les prospectus et elle, les lions dessus. Les trucs, elle dit chez Dieu là-bas, les jolis dessins. J'ai dit, bon, comment ma maman me chicote là? Moi, je vais aller là-bas. Oh, elle dit que non, pour voir la vie éternelle, c'est après la mort. On est enfant. Donc, j'ai pris un couteau, j'ai dit, je vais me suicider. Donc, la servante m'en a empêché. Quand ma maman est revenue du travail, la servante lui a dit, ah, tanti, ça a chauffé ici haut. Ivan a dit, elle veut se suicider. Ma maman dit, non, elle ne veut pas se suicider. Est-ce qu'elle veut bien se suicider? Il faut m'envoyer le couteau. Moi-même, je vais bien lui montrer comment on se suicide. Donc, c'est un peu ça que j'ai raconté. Et j'ai dit que j'ai eu une relation amoureuse qui a mal tourné. J'ai eu tellement mal que j'avais des médicaments pour des somnifères. Là. J'ai pris ça, j'ai avalé. Je ne voulais pas me tuer, je voulais dormir. Sinon, quand tu veux te tuer là, c'est Javel, tu bois. Tu comprends un peu, non? Ou bien acide. Donc, c'est un peu dans l'humour que j'ai expliqué cette histoire-là. Mais les gens, voilà, les gens parlent comme si... On voulait se suicider. Vraiment, c'est dommage, quoi. Je pense qu'il faut qu'on se concentre un peu sur ce que Yves fait de positif, comme la pose de la première pierre de la construction de salle de classe à Ogoudou, comme des dons que Yves fait dans les hôpitaux, comme les dons que Yves fait dans les orphelinats. Voilà, les spectacles de Yves Doro. Je pense que c'est plus ça. Voilà, il faut qu'on voit la femme leader, entrepreneur, voilà, qui essaie de tirer ses sœurs, ses frères à l'entrepreneuriat, qui essaie de montrer un autre visage de la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est plus sur ça qu'on doit se... Sinon, Yves Doro a tenté de se suicider. Qu'est-ce que ça apporte à l'État de Côte d'Ivoire? Non, mais tu sais que c'est les affairages. Nous autres, là, c'est ce que nous, on aime. Les affairages, nous, on s'est nourris de ça. En fait. À propos d'affairages, qu'est-ce qui s'est passé avec... Elise, une ondière t'a mordu. Mais c'est toi qui l'as mordu, mais qui a mordu qui? Bon, vous savez... Chacune donne sa version. Non, on sait pas. Vous savez, moi, je vais vous dire, c'est le mensonge qu'on crée. La vérité, elle existe. Le tournage s'est déroulé à Jacquesville. Donc, il y a le lieu, il y a des employés, il y a une équipe qui bosse là-bas. Il y a l'équipe qui nous a emmenés là-bas. Donc, il y a au moins 40 à 80 personnes sur les lieux. Je pense que ces personnes-là, il va falloir que les gens fassent une démarche pour aller là-bas, pour questionner les gens, pour leur demander. Voilà, qui étaient sur les lieux, en fait. Parce que l'équipe de tournage a porté un démenti sur leur page officielle. Mon frère, quand tu me regardes là, déjà j'ai front, on dirait flag, bouteille de flag. Je suis musclé, on dirait casse-clé. On peut me mordre. Non, de toi à moi. Mais c'est quoi la trace que nous on a vu tout ça là? Trace. On a vu trace de cette danse sur toi. J'ai vu des choses sur Internet, c'est là que je me suis rendu compte que des gens ont l'imagination fertile pour créer des absurdités en fait. Je pense qu'on peut prendre cette imagination. Tu sais, les Ivoiriens sont très intelligents. On peut prendre cette imagination-là pour créer des emplois, pour aider la jeunesse à s'en sortir. Vous voyez? Mais on crée des choses. Bon, c'est... Bon. Oulala. D'accord. Alors, moi, je veux revenir un peu à... On se fait la bise, par exemple.
Voilà, c'est ce qui te caractérise en fait. Si, si. Voilà, comment t'es venue cette signature-là, si on peut dire ça comme ça. On se fait la bise, c'est une anecdote, je ne voulais même pas revenir là-dessus. Mmh. C'était lors d'un tournage à Paris et j'ai vu une actrice, bon pas une actrice, une humoriste que j'aime bien, oui qui est actrice aussi, hein, humoriste, actrice, que j'aimais bien, que j'appréciais bien, qui venait du même pays que moi. Et j'étais dans ma loge et on m'a dit qu'elle arrivait. Et donc j'étais tellement contente de la voir et tout. Donc je cours, je vais vers elle, je veux lui faire, c'est-à-dire je veux lui faire la bise. Elle me dit bonjour. Elle me tend la main devant tout le monde. Donc, je me suis prise une baffe en public. C'est un vrai râteau. Un vrai râteau. Mais avec du recul, au début, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends, c'est foutaise. Ouais. Et après, les années sont passées. Avec du recul, j'ai compris qu'elle a la meilleure stratégie. En fait, quand tu prêtes le flanc aux gens de te côtoyer, de percer ton mystère, on a l'habitude de dire, c'est causerie qui envoie foutaise. C'est ce que je voulais dire. C'est causerie. C'est après que j'ai compris. Voilà. Sinon, au début, ça m'a fait mal. Mais avec du recul, j'ai compris que elle a la bonne technique. Souvent, il faut tenir les gens à distance. C'est très important. Mais est-ce que après ça, est-ce que on n'a plus l'occasion de se voir. Je pense que ça va changer, non. D'accord. En ce moment-là, j'étais pas connue, on me connaissait pas, tout ça, et puis voilà quoi. D'accord. Mmh. Alors, au niveau de... On va maintenant parler de tes spectacles, de ta vie professionnelle et tout ça. Après, on va s'affairer quelque part là-bas. D'accord. On va parler un peu de la vie. Après, on va revenir là-dessus. Mmh. Voilà. Il y a quelques temps de cela, tu as fait ton premier, voilà, ton premier spectacle à Abidjan. Mmh. Voilà, 1500 places et tout. Mmh. Bon, moi, je ne sais pas qui t'a conseillé. Déjà parce que tout le monde disait que bon, c'était même pas sûr que tu remplisses la salle et tout. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu comptais sur... Par exemple, en ce moment, ce n'est pas tous les Ivoiriens même qui te connaissaient, tu vois. Mm-hmm. Voilà, donc en ce moment, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour, voilà, pour aller pour faire un spectacle jusqu'au palais de la culture et tout ça? Eh bien, moi, à la base, déjà, je suis une femme de challenge et de défi. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui fonce, voilà. Et à un moment donné, quand on commençait à travailler, j'ai commencé les vidéos en 2016 et en 2017, je me fais connaître. 2017, 2018, 2019, ça fait 3 ans. Je me dis qu'il faut franchir le cap et essayer de voir autre chose. Donc, je me dis, pourquoi pas faire un spectacle? C'est normal. Quand on fait des stand-up en France, les gars, ils commencent dans des petits bars et tout. Et puis après, ils visent... qui vise pas Bercy? Qui vise pas l'Olympia? Je dis, c'est une suite logique des choses. Donc, Yves Hydro, elle commence sur le web. Elle commence. Elle fait sa première scène à Paris, à l'Apollo. En tant que première partie. Et puis elle dit, pourquoi pas moi-même aller sur la scène? En fait, je dis que on va pour aller devant, on va pas pour aller derrière. C'est une suite logique. Demain, ne soyez pas étonnés que Ivy rêve de faire Bercy, l'Olympia ou le Zénith, vous comprenez un peu ce que je veux dire, ou bien la 4000 places au Palais de la Culture. Donc je dis, c'est une suite logique des choses en fait. Mais tu as été beaucoup, beaucoup de gens ont tenté de te décourager, oui, par certains commentaires sur internet. Mais celle-là compte sur quoi? Même celle-là, même d'ailleurs, elle est trop gonflée. Même celle-là, elle se prend pour qui? Pendant qu'il y a des gens ici même qui font ça depuis des années, elle a petit 2016, elle a commencé là, on peut plus respirer. Oui. Comment tu as réussi à gérer tout ça là en fait? Eh bien, je dis une chose, c'est que l'Africain a peur de se lancer. Et là, voilà, l'Africain a peur de... Bon, quand je parle de l'Africain, je parle plus de l'Africain francophone, hein, parce que le côté anglophone, là, sont des gars qui foncent. L'Africain a peur de défis, tout ça. Donc, quand il voit quelqu'un se lancer dans quelque chose, il veut lui transmettre sa peur. Donc, c'est dit, comme lui, il a peur, ah non, si c'est moi, je vais pas réussir, donc elle va pas réussir. Si moi, je peux pas le faire, elle peut pas le faire. Tu comprends? Oh, je pense que quand on voit quelqu'un qui a commencé petit, petit, petit comme ça pour monter, l'idéal serait de comment dirais-je, l'encourager. Et puis si ça marche pas, on dit non, c'est pas grave. Vas-y, la prochaine fois, ça va marcher. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les sponsors n'accompagnent pas les chanteurs ou bien les artistes locaux. Mais pourquoi? C'est parce que vous ne donnez pas de poids à vos artistes.
comment vous pouvez comprendre qu'il y a des humoristes qui n'ont jamais fait le palais de la culture, même la 400 places, pourquoi? Chaque artiste doit pouvoir vivre de son art, doit pouvoir goûter au moins une scène, en tout cas dans son domaine. Un chanteur qui n'a jamais fait de concert, toi c'est toi, toujours on invite dans les maquis. On te paye avec casier de billets. Mais tu ne te donnes pas de la valeur. Quand tu viens chanter, on te dit, ah, ton cachet, c'est quoi? Moi, tu m'as donné deux casiers de billets là-bas. Là. Moi, c'est bon, hein. Il a framponné ça pour toi d'une façon. Là. Mais ça, c'est quoi ça? Mais tu vas te promener de maquis en maquis. Pendant des années. Pendant des années. Non, on attend. Ah, on a... Tu vois, on peut faire ça. Adama. Alors, voilà, tes spectacles que tu fais, tout ça, ça t'a valu d'avoir beaucoup, beaucoup de relations. Si, si. Voilà, beaucoup de relations. Bon, nous, on se demande, on se pose trop de questions parce que ton relationnel, là, c'est dangereux, en fait. Parce que, voilà, toi, tu causes avec des gens, les hautes personnalités, c'est-à-dire de très grandes personnalités de ce pays. Bon, certains disent que tu fais du forcing, par exemple. Alors, Yves Deroux, elle veut forcément être parmi tant, elle est souvent avec la première dame. Bon, je sais pas, comment toi tu es arrivé jusqu'à. Pendant qu'il y a des gens qui ont commencé avant toi qui ne sont pas encore arrivés là-bas. Je ne me mets jamais en bas. Quand j'allais au collège, je ne parlais pas avec les éducateurs. Moi, je parlais avec le directeur. Pour te dire un exemple, je n'aime pas en bas. Ça ne veut pas dire que je dis que les éducateurs sont en bas ou bien truc. Mais je vise toujours le sommet. Moi, je suis comme ça. Quand on dit que je fais du forcing, je veux comprendre comment est-ce qu'on fait du forcing. Vous voulez que je m'asseye avec des joueurs de damier au quartier? Des gens qui ne veulent pas évoluer? Ça veut dire qu'on est au quartier, je viens, je fais photo. Ça veut dire qu'on est là, on est en train de boire bière, on est assis autour d'une bière, c'est ça? Mais je donne quelle image à la jeunesse? Mais quand tu commences comme ça, petit, 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 et puis demain, on te voit à l'ambassade des États-Unis. Mais le jeune, ou bien le jeune mécanicien qui est là-bas, ça développe ses rêves. Parce que lui aussi, ça lui donne du courage. Parce qu'il a vu mes débuts. Au contraire, il doit être fier, et puis ça doit l'emmener lui-même. Il a dit, mais c'est que moi aussi, je peux arriver là-bas. Mais pourquoi on voit le forcing? Et puis, vous savez, il faut reconnaître quelque chose. J'ai du talent. Mais attends, nous, on va te dire d'abord. Non, non, non. Mesdames et messieurs, c'est ça son affaire, là, qui est là. Attends que nous, on te dise que tu as du talent. Toi, tu dis que toi, tu as du talent forcé. Je dis pion. Oui. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut dire. Jésus même, là. C'est Jésus qui est venu nous dire qu'il est le fils de Dieu. Sinon, nous, on ne sait pas qu'il est le fils de Dieu. Il devait faire ses preuves. Et puis, nous, on allait dire, ah, vraiment, c'est le fils de Dieu. Mais il est venu, il s'est arrêté devant les vieux pères dans les synagogues là. Et puis il dit, vous êtes des plaisantins. Moi, je suis le fils de Dieu. Lui, il comptait sur quoi pour dire ça aux pharisiens? Il comptait sur quoi pour dire ça aux gens dans les synagogues là? Il comptait sur quoi? Donc pourquoi, quand tu es le plus fort des mécaniciens, on dit non, il ne faut pas dire. Pourquoi? Jay-Z est fort, il dit il est fort. Eminem est fort, il dit il est fort. Mais pourquoi en Afrique, quand quelqu'un dit, ah vraiment, je connais mon travail, on dit non, il est imbu de sa personne, mais il n'est pas humble. Il faut reconnaître. D'où Saga disait, aime-toi, toi-même, voilà, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je ne vais pas dire que je suis plus forte qu'eux. Je n'ai pas dit ça. Je suis forte. Il dit, je suis forte, à ma manière. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, bon, ça, c'est lui qui connaît. Chacun connaît sa puissance. Tu comprends un peu ce que je dis? Donc, je dis, bon, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire qu'Evie Dero s'affirme en tant que... Voilà, elle affirme son talent. Ah, est-ce que j'ai volé? Aujourd'hui, on a l'ère de l'entrepreneuriat. Il faut que les femmes se battent. Il faut qu'on s'affirme et qu'on nous enlève cette étiquette de... Les femmes sont matérialistes. Ce sont les hommes qui font les femmes. Non, c'est fini ça. C'est fini. Et ça même, ça n'existait plus depuis Belle Lurette. Nous, nos mamans à l'époque, là, souvent, elles donnaient l'argent de popote à nos pères pour faire croire que c'est eux qui donnaient l'argent de popote. Mais comme cela se passait dans la chambre, on se disait que c'est le papa qui assurait. Or, souvent, c'est les mamans qui se cachaient
Donc, je dis que pourquoi on ne parle pas de ce côté des femmes battantes, qui s'en sortent, et on veut toujours faire passer la femme pour celle qui a la main en bas, qui demande toujours non. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent être comme toi. Mm-hmm. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes filles? Je ne veux pas qu'elles soient comme moi. Je veux qu'elles fassent comme elles veulent faire. Qu'elles soient elles-mêmes. Oui, il ne faut pas faire comme les autres. Ça ne sert à rien. Vous serez juste une copie. Créez-vous vous-même une identité, créez votre nom. Yvi Doro, c'est mon nom, c'est moi. Mais faut reconnaître que Messi, c'est Messi, quoi. Tu sais, quand tu as un truc, quand tu as ce don-là, tu es plus habilité à le retranscrire que quand tu bosses pour l'être. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, c'est pour être un bon comédien, déjà, il faut l'avoir. Sinon, après, ça fait un peu surjouer, ça fait forcer, ça fait... Quand tu as ça, quand toi-même de nature, tu es jovial, tu fais rigoler, ça passe crème. Mais en même temps, je ne dis pas que ceux qui vont à l'école pour sont nuls. Il y a des gens qui sont très forts, il y a des gens qui sont autodidactes aussi, tout ça. Donc, il faut mettre le professionnalisme aussi sur tout. Le travail, le professionnalisme. Même quand tu as ce don, il faut toujours travailler pour pouvoir... Sinon, c'est rien. Voilà, ouais. Yvi Doro, merci en tout cas. L'émission tire à sa fin. Voilà, moi, je vais te demander de fixer la caméra qui est en face de toi et de dire ton mot de fin. Eh bien, cette émission, je la dédie à mon très cher meilleur ami que j'ai perdu il y a quelques jours, qui s'appelle Wilfried Billet. Cette émission-là, on en avait parlé. On avait essayé d'en faire une, lui et moi, le 31 décembre dernier, en direct sur ma page Facebook. Willy, je t'ai dédié cette émission. Tu aurais été ravi d'être là, à me regarder, en train de répondre aux questions, mais malheureusement, tu n'es plus là. Mais je sais que le Père t'accueille là-bas. Tu es parmi les anges, comme tu l'as dit. Tu es mon ange gardien. Et sache que je t'aime et que je t'aimerai de tout mon cœur, toute ma vie. Je ne t'oublierai jamais. Voilà. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu accorde la paix à la Côte d'Ivoire. Amen. C'est tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, qui va s'asseoir pour y aller? Je t'ai dit. S'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, qui va venir s'asseoir pour y aller? Qui va venir acheter ticket 5 000? 5 000. 5 000.